Bonjour à tous, welcome back to Lingoni. My name is Alicia, and today we will be talking about um, la réservation d'un hotel, how to book a hotel room, like the, the vocab and all the lexical uh, knowledge that you that you need to be able to do that. It's all vocab and um, and lexique that is A2 level, and I realized that it's quite a lot, uh, but it's all very useful, and, and, and it's nice to when you read it, when you hear it. Or when you want to say it, it's always nice to, to have this vocabulary to be able to to use it. So let's go straight to the point. Uh, lorsque vous réservez un hébergement, that's the first important word. Un hébergement, it's uh, accommodation. That's the translation of accommodation. Un hébergement. On va, on, on, I decided to focus on hotel parce que when I talk about accommodation, as you know, there are like at least five, six, seven different kinds of uh, of accommodation when you go on holiday. But let's focus on hotel rooms, okay? Donc quel, le vocabulaire nécessaire pour réserver une chambre d'hôtel. Right. So first of all, you need to know your your budget. Budget is very easy. It's the French pronunciation for budget. Donc votre budget, budget par nuit. So the budget per night. Et pour le séjour, for the whole stay, le budget par nuit, par nuit, sorry, pour le séjour, for your stay. Ça c'est la première chose. La première ou la deuxième, la première chose could be euh, vos disponibilités, uh, that means les dates, hein, les dates euh, de votre de votre séjour et la durée, la durée de votre séjour. Remember that to talk about la durée, you would have like two important prepositions. Du, for example, du 18, why not? Du 18 au 25. And if you don't want to use like the, the numbers, the dates, but the days, same. Du lundi au dimanche. Okay? Au could be also substituted by jusqu'au, until. I mean, from the 18th to. Uh, the 25th, or from, the, from Monday until Sunday. Donc du lundi jusqu'à dimanche, ou du 18 au 25, for example. Ça, ce sont les dates, la durée, uh, le budget par nuit pour le séjour. Then you need to focus on les équipements, that would be like the facilities, les équipements de l'hôtel. Quel type d'équipement vous pouvez euh, demander ou exiger lorsque vous décidez de rester dans un hôtel Eh bien, s'il y a un parking, le parking peut être euh, gratuit ou payant, mais ça, c'est une question euh, commune. If you are going by car, for example, you would like to know if there is like. A a parking lot a place for you to leave your car parking parking payant parking gratuit est-ce que l'hôtel dispose d'un restaurant of course but that's an easy one restaurant just be careful with the pronunciation restaurant or resto in a very uh, informal but common way une autre question est-ce que les animaux domestiques sont admis animaux domestiques pets est-ce que les animaux domestiques sont admis est-ce qu'il y a un service d'étage room service est-ce qu'il y a un service d'étage dans les chambres? Is there a wellness center? Est-ce qu'il y a un centre de remise en forme? Centre de remise en forme ou centre de bien-être? That would be a more uh, literal translation of wellness. Un centre de bien-être ou un centre de remise en forme? That's usually including a spa, possibilité de massage ou une salle de sport. If you want to have a gym and practicing a bit of sport while you're on holiday, also very common uh, thing that you might ask is is there une navette euh, une navette pour aller à l'aéroport ou de l'aéroport pour aller à l'hôtel bien sûr we call that une navette I think it's a kind of shuttle uh, from the airport to the hotel or from the hotel to the airport. Ensuite vous allez certainement poser des questions sur les conditions de réservation. Uh, par exemple, si vous souhaitez réserver votre chambre d'hôtel, uh, oh yeah, chambre. Of course, it's not habitation which is a very common mistake. Habitation exists in French, but it doesn't mean bedroom. Une chambre. I, I realized that I didn't even mention this. It's very important word. Chambre. Donc les conditions de réservation pour la chambre, vous pouvez réserver sans carte de crédit, par exemple. Ou sans prépaiement. These are like the most common question. Je voudrais réserver mais sans prépaiement, so prepayment, sans carte de crédit. You don't have a credit card, but a very like uh, just a classic debit card. Is it possible to book the hotel? Ou uh, est-ce qu'il y a une annulation gratuite? That's when you you're not sure if you're going to be able to travel and you would like to get your money back. So is there like a free cancellation or last minute cancellation, for example, annulation gratuite? Ça, ce sont pour les conditions de réservation principales. There are many others, but let's go for the like the main one. Ensuite, bon, le type d'établissement, uh, we decided établissement, établissement, uh, synonyme de hébergement, hébergement, établissement. That's pretty much the same. Uh, we decided that we will talk about hôtel. Donc, dans un hôtel, uh, vous regardez le nombre d'étoiles. Une étoile, deux, trois, quatre ou cinq étoiles. Cinq étoiles would be like almost grand luxe. Hein. C'est vraiment euh, évidemment le, le standard de l'hôtel augmente avec le nombre d'étoiles, but you know that. Ensuite, on peut poser des questions sur les repas. Donc, euh, est-ce que le petit déjeuner est inclus? Est-ce que c'est une demi-pension, demi-pension et petit déjeuner et dîner? Est-ce que c'est une pension complète, petit déjeuner, déjeuner, dîner? Est-ce que c'est tout compris à volonté? Usually, you call that in English all inclusive. You would be given some kind of wristlet and you can just go and have a buffet. À volonté, and eat uh, whenever you want during the day without having to respect any timetable or have a drink uh, to some bars that offer you uh, all day long. Tout compris à volonté. D'accord. Ensuite, l'équipement de la chambre. On a parlé de l'équipement de l'hôtel, mais l'équipement de la chambre. Vous pouvez demander s'il y a une cuisine dans la chambre. Est-ce qu'il y a la climatisation Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a une baignoire ou une douche basic vocab as well. Uh, vous pouvez préférer un étage supérieur. People like to be a bit more like um, up uh, in the floor, so étage supérieur. Uh, certains demandent également s'il y a un accès à un balcon ou une terrasse. OK, a bit more than that, we'll be asking for un balcon ou une terrasse avec vue sur, with a view on, avec vue sur. Depending on where you travel, la montagne, la mer, le jardin, la piscine, this is then uh, completely up to you. D'accord. Donc avec vue sur le type de lit, la literie, le type de lit, lit jumeaux, two beds separated but usually put together, uh, lit jumeaux, that's like twin bed, lit double, that's the double bed. La chambre peut être une chambre simple avec un seul lit, une chambre double prévue pour deux personnes. Euh, il existe également des chambres triples ou quadruples. And if you have a, a child or even a baby, what you would normally ask is: is there un lit d'appoint? Un lit d'appoint. Okay, that's what you have like when you have a baby, a special bed they put there for you. D'accord, ça c'est pour la literie. Et, et ensuite, donc, on a parlé de l'équipement de l'hôtel, l'équipement de la chambre. Euh, le type d'hôtel et autour de l'hôtel, what we call les environs, les environs, usually what is asked is, euh, est-ce qu'il y a des sites d'intérêt à proximité pour visiter, des sites d'intérêt, donc euh, touristiques, culturels, euh, gastronomiques parfois, de très bons restaurants, tout ça ce sont des sites d'intérêt à proximité, et l'accès. L'accès euh, en transport en commun, for example, so means of transportation. Transport en commun euh, include bus, métro, train, tramway. All these are transport en commun. Ou l'accès à pied, if you want to go walking. Voilà. Je, alors, évidemment, en préparant cette leçon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de vocabulaire. Mais je pense que pour un niveau A2, Vraiment si vous, si vous mémorisez le vocabulaire que nous avons vu là in theory you would be able to to ask any kind of of uh, of question if you are in a hotel or if you decide to book a hotel on the phone or going to a travel agency even though i know everything is usually now online and you can put it in your language but I mean, you might be traveling and have to ask a question, even if it's not to do the the hotel booking. You you might just be there and have a problem with the parking lot, or having a question with the restaurant, or you want to know about les horaires de la demi pension, or you want to change from demi pension to pension complète. And and it's always nice to have this to have to have this vocab, or if it is uh, if it is a French person talking to you and using this this vocabulary, like because it's. It's not something you can understand if you do not know, like demi pension, pension complète, hébergement, uh, lit jumeau. You really need to learn that because otherwise, if you have someone telling you that, mm, it's very difficult to understand. It doesn't really sound like a, like English nor anything else. So I think it's even les transports en commun. I thought it would be it would be really nice to. To make sure you know a bit of this vocab, you will have a chance, of course, to practice all of that on Lingoni.com because we'll uh, we'll make some special vocab worksheets and interactive exercises, videos, as always, so you can practice everything we've been seeing today. I really hope that this was a bit useful. If you think that I forgot, like, some very basic vocab related to hotel, hotel room, facilities, uh, or anything you think just um, could be could be interesting to to mention in another lesson, then please let me know. Uh, it's always interesting and I'm always very happy when you when you help with your comments. Donc merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle leçon. À bientôt. Au revoir.